Mesdames, mademoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans le bulletin d'information pour aujourd'hui. Opération Zéro Tolérance avance à grands pas. Comme nous connaissons, ces derniers temps, cause kidnapping n'a vraiment avalé terrain. Eh bien, la police pas suspend mare garçon kou fam kou krab qui impliqué dans zak sa yo. Pin journée jodi a même présenté bay population 17 individus qui impliqué dans zak kidnapping. Fom di nou, jan de moun sa yo soti nan plizye baz, plizye gang, et non seulement sa tout, yo soti nan kat coin pays ya. Entende ki jan porte-parole la police la ta présenté yo et non seulement ça tout bay tout détail sou yo n'ap tourner talé comme ça. Premier moun nan c'est une personne Benjamin de la gauche vers la droite dans coin en bois 21 rivé jusqu'à monsieur Barou Blanc. C'est 8 premier moun yo. C'est Peterson Benjamin. Peterson Benjamin c'est yon nan gang qui basé dans village de Dieu. Base 5 secondes, c'est il y a des gens qui disent numéro 2, il y a des gens qui disent numéro 3, mais en tout cas, même là, en bas de 20 heures, que la presse a capable de voir. Après, il y a Jacques Merdelis, il y a Inel François, il y a Rose Nord Jean-Louis, Saint-Louis, pardon, 4 messieurs Sayo, ils ont joué l'arrestation le 21 novembre 2020 sur route 9 là. L'infraction que vous reprochez, M. Sayo, c'est enlèvement, séquestration contre rançon, vol de véhicules, association des malfaiteurs, vol armé et complicité de meurtre. Et M. Sayo, tout est impliqué dans vol de véhicules et qui est propriété de l'État haïtien. Nous allons parler amplement sur ça pour nous capables de gagner plus de précision. Septième monde qui vient après quatre premiers messieurs. C'est Salomon, alors c'est Salner pour Midor. Est-ce que Jessica Adrien est là? Oui, Jessica Adrien, Sonel Saint-Naudrien, Schneider Campbell, monsieur qui a maillot blanc, Schneider Campbell. Monsieur Zayo a été interpellé le 2 novembre 2020, dans Delma 75, dans Fragnoville, pour enlèvement, séquestration, contre rançon. Et il était tout en possession d'armes illégales. Parce que nous connaissons le phénomène de kidnapping, c'est un phénomène toute la presse la connaît qui en pleure la plante. Et nous te prenons pour nous te parler de ça, mais je vous dis à moi que nous avons bon temps pour nous parler de ça. Et la majorité des gens qui l'ont, qui font tout le monde qui l'a, c'est les gens qui sont impliqués dans la question de kidnapping, ça nous relève enlèvement, séquestration, suivi de rançon, nous maintenant relève kidnapping. Quatre derniers mounios, en partant de monsieur, trois derniers mounios. Et trois derniers mounios, c'est Fleury Smith Evanson, Saint-Just Miguelson et puis Denis Jonas. Faites-vous vivre pour nous, s'il vous plaît. Faites-vous vivre pour nous. Trois messieurs Sayo. Ils ont gagné même chef d'accusation. C'est des messieurs qui n'ont pas de mandat d'amener des eux. Ils ont pu répondre à la question de la justice. Depuis son arrestation à Nel Joseph, ils ont eu un mandat pour répondre à la question de la justice. Ils ont appartenu à la gang que Nel Joseph a dirigé dans le village de Dieu. Ils ont sauvé, ils ont arrivé Saint-Domingue. Connexion la police dominicaine avec la police haïtienne fait à travers Interpol. Yo arrêté yo à Saint-Domingue et autorité haïtienne et dominicaine yo remettre yo sous frontière haïtienne dominicaine à des policiers haïtiens et maintenant il y a gagné pour y aller répondre question la justice par rapport à chef d'accusation que yo gagne sous dos. D'accord, merci. Nous gagnons l'autre groupe, n'a pas présenté encore. Nous mettons le nous savoir les conseils. Merci. Mais le cabinet,
Nous mettons trois billets de dossier, les affaires. Vous pouvez nous mettre à roche là. Nous mettons trois billets de dossier. Vous mettez passé. Caméra, tu es là pour ça. C'est pas moi. Fais ta vidéo, tu es là. Tu es là pour la caméra. Je suis machine, je suis kidnappé, je suis kidnappé, je suis kidnappé, je suis kidnappé, allez, nous prenons la presse pour donner ça, nous prenons la presse pour venir à la visite, nous sommes kidnappés, nous mettons le monde de celui-là, nous mettons le monde pour passer mon local, allez, la police, nous mettons le monde de ça, nous mettons les filles, oui, nous mettons les kidnappés. Nous n'avons pas de kidnapping. Oui, monsieur. 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 Et nous allons expliquer nous de façon plus large tout à l'heure. Monsieur qui n'a point, hein, toujours bon côté de l'intérieur, avec Mario Bleuya, il est Michel Nicolas. Et nous qui venons après là, c'est Récit l'homme Pierre, alias Assez l'homme. Tout de suite après, nous avons Nathalie Augustin, Gessner Belfort. Gessner Belfort a fonctionné sous trois noms. On l'a relé Gessner Belfort, on l'a relé Rudy Pierre, on l'a relé Jude Félix. Je vais expliquer dans qui cas M. Sao était impliqué et je bloque l'église cyber sur route 9, côté où était enlevé un citoyen. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Après, dernier cas enlèvement qui concernait deux mounouais dans l'extrême, c'est Bernard Etienne, alias Lédic, et comme ça, monsieur les tapis. Et puis nous avons Jonathan Sam Augustin, qui a été fait enlèvement le 30 octobre 2020. Sous la personne de Yol Derica Derisson. Voilà, c'est en tout 17 personnes que nous présentons à la presse. Nous allons expliquer dans quelles circonstances chaque groupe de monde, ou bien chaque monde, ou bien chaque groupe de monde, dans qui cas ils impliqué. Voilà, nous devant le micro la presse, là, nous voyons. Et pour l'opinion publique, là, capable d'informer du travail que la police fait par rapport à la situation qui a donné une société, nous allons parler de ça. 17 personnes, parmi eux deux femmes, impliquées dans l'enlèvement, séquestration suivi de rançon. On a parlé de kidnapping, fok, éléments réunis pour nous dire que c'est un acte de kidnapping. Et c'est tous les trois, alors tous les éléments ont complété l'autre. Ce n'est pas yon ou l'autre, yon complété l'autre, fok tout présent. D'abord, il y a un enlèvement. Après enlèvement, il faut gagner séquestration et après il faut gagner demande de rançon. Trois éléments ça quand yo réuni, nous parler de enlèvement, ça nous même dans le langage commun nous relé kidnapping. Nous sommes présentés nous quatre premières personnes yo, Peterson Benjamin, c'est Peter que certains monde disait numéro 2, numéro 3, qui est lié dans base 5 secondes qui est basé à village de Dieu. Jacquener Delciné Inel François, Rose Nord, Saint-Louis. Monsieur Sayo, yo impliqué dans un vol de véhicule, yon pick-up non blanche, il était couleur blanche d'abord. Non, il était alors c'est un Toyota Hilux noir que Jacquener Delis lui-même, il peinturé en blanc. Pick-up ça, c'est propriété de l'État haïtien, il appartenu au service ministère jeunesse et sport. Yo volé li en date du 25 février 2020 à Delma 18 nan men yon employé ministère ça. Yo prend plaque machine ça. Jacquener Delis prend plaque machine ça, li metel sou yon l'autre machine alors que l'autre machine ça était impliqué nan yon kidnapping à Miragouane le 31 juillet 2020 et la police nan grisier tapral récupérer véhicule ça et libérer Mounio suite à traquage à alerte que machine ça te gagne de elle donc il est arrivé libérer 4 moun sa yo. Nous présentons nous tout Salner Polidor, Jessica Adrien, Sonel Saint-Morin, Chaïda Kembel. Monsieur Sayo, la police interpellé le 2 novembre 2020 à Fragnoville, Delma 75,
Infraction reproché au c'est enlèvement et séquestration contre rançon et détention illégale d'armes. Yo te gen en possession yo yon pistolet numéro série c'est 010188. Yo te joine zam sa nan main Salner Polydor. Commissariat Delma bien sûr, c'est lui même qui t'est saisi en tout premier lieu des dossiers ça et puisque DCPJ c'est lui même qui gen compétence pour approfondir enquête yo donc yo te acheminer dossier ça yo à la DCPJ. Te gen tout nan bloc route 9 tout près l'église Cyber pour moun ki konnen zone nan. Monsieur Sayo, yo Michel Nicolas, Récil l'homme Pierre alias Asselom, Nathalie Augustin et l'autre femme qui impliquée dans question kidnapping nan tout. Gessner Belfort, tantôt c'est Gessner, tantôt c'est Rudy Pierre, tantôt c'est Jude Félix. Yo te enlevé Jocelyn et Steven, un citoyen de 43 ans. Et Yo libéré le même jour suite à intervention la police et dans sous-commissariat du Vivier à un check de routine que la police te senti malaise là gain inconfort et inconfort victime nan en dans machine nan yo te posé question et yo te senti malaise là yo te rivé interpeller monsieur Sayo donc voilà monsieur dame Sayo pardon voilà et y a répondre question la justice. En date du 30 octobre 2020, yo te enlevé tout yol Derica Derisson. Yo libéré le 4 novembre. Voilà, c'est ensemble de dossiers ça yo, mais on a un dossier qui a un aspect particulier, m'te souhaité font ti pencher sur lui. C'est côté moi souhaité attirer attention les parents, mères et pères de famille sur un aspect tout particulier ce qu'on appelle le contrôle parental. Surtout moun ki gen jeune fille, jeune adolescent fille yo à partir de 14, 15, 16, 17 jusqu'à ce que yo vin majeur pour nous garder qui moun yo fréquenté, qui côté yo aller, qui ça yo fait, à qui moun y apprend pas. M'pa pral rappeler ça qui t'est passé déjà, nous tout nous connaît, li nan mémoire nous tout là. Mais nous gon situation presque similaire. Heureusement, la police arrive là-dedans à temps et le pire pas arrivé. 23 novembre. Moi parler de dossier ça dans la presse déjà, me pas de balle non, mais peut-être qu'on est à la situation obligé me balle non, son façon que pour parents yo capable suffisamment connaît pour connaît qui ça pour yo gain adopter comme conduite. Berlina Musial, 17 ans. La police dans DCPJ recevoir plainte dit yo kidnappé dans Croix des Bouquets sur route li de la Tremblay à Croix des Bouquets li pral l'école. La police recevoir plainte dit yo kidnappé. La police travaille sur lui. La police intervenu de Croix des Bouquets étant la police gain information dit c'est Gantier yo kembel. La police intervenu libérer Berlinia Musial sans rançon $50,000 américains que ravisseur prétendu yo demandé yo libérer. Mais la police pas arrêté là, enquête là la continuer. Par la suite la police pral comprendre c'est pas un kidnapping mais c'était un arrangement côté. La police était déjà arrêté Jolando Pavelus, qui se ménage Berlinia Musial. Et Berlinia Musial fait plusieurs jours la caille Zami Jolando Pavelus, qui se Fenelson Milford. Et yo te gentanre les parents demoiselle là, bay pression, et parents demoiselle là te gentan déposé sur un compte 15,000 gourdes. Donc à comprendre, en famille qui pas gain moyen ou mande $50,000 et il gain petite fil nan men ou li dégager pour joindre 15,000 gourdes, li déposer nous compte histoire 15,000 gourdes ça yo déjà à travers des cas qui traité déjà passé dans pays déjà, nous pas parler plus sous li. Mais ça qui plus important,
c'est comment des bandits capables de river prendre petit tout la caillou dans foyer pour monter tête li pour la bay maman à papa pression pour bay des bandits cob faire des arrangements avec bandi pour bay ou cob sous prétexte que yo kidnappé. Ça est très important. Moi pas passer sous silence même si plusieurs journalistes ont demandé ça, même pas de parler de ça. C'est hier soir côté dans fouille côté délégué départemental ouest là de là et dans angle des rue Rigaud et Lambert dans cadre une fouille de routine dans un bus de transport trois bandits Pierre Norgues, Saint-Just Mickey, Peterson Jules dans un bus qui fait transport en commun nèg yo te gagné deux armes en possession yo un pistolet 9 mm numéro de série TF X44-867 et yon l'autre revolver SR-3838/357 de numéro de série T-1102-131-00-431. Yes, m'espérer que nous te comprenne et nous te bien tende ki Jean Moun sa yo te arrivé fè zak sa yo. Encore l'autre fois, mesdames et messieurs, m'ap di nou pran plis précaution parce que te a piégé. Donc, ou pa konn ki es ki bon moun a ki es ki mauvais moun. Nan lan créole la nou te kapab dil, le maringouin ap volé, nou pa konn mal, nou pa konn femelle. De toute façon, toujours prend précaution. M'a fait ou konne dossier assassinat Evelyne Saint-Cyr là, pas de fini là. Jodi a même Obed Michel Eval ak ménage li ki se Wislen ki te abdormi avèl jou opération la police là te présenté nan paquet Port-au-Prince pour répondre question sous assassinat yo te fait sous Evelyne Saint-Cyr là. Pendant audition tout messieurs yo kebe même diskou yo te genye de CPJ a. Sauf Obed qui déclarait c'est tellement yo bat li en dedans, bal gros pression qui fait li te résiliel, li dit c'est li même qui touye demoiselle là et pourtant c'est pat li. Li te tellement triste, glo te manke soti nan jil pendant moment audition. N'a fait ou konne, tous les trois nèg yo te gen coton nan oreille yo pendant moment audition. Nan maj audience lan, gen youn nan komisè yo ki te prezante yo te dekouvri et puis révélé Michel ak Belsel Wislen gen gros dossier sou do yo a cause yo tap kale tèt yon Mexicain ke yo te manje plis ke $3,000 américain pou li. Nan époque sa, selon information mwen dispose, Wislen fin couché avec Mexicain après yo rencontré nan yon bar et puis li fè mesye a konnen ke li ansente el se yon mine. A partir de là, li te commencé fè Mexicain gros chantage nan élément ki révélé yo pendant séance là, Wislen même pran juge de paix Alkay étranger a broté bagay madame li te gen nan kay la sous prétexte monsieur Abizil pendant Evald ak Michel bon côté pa yo tap assiré Ariel kounye a sa pral balancer tout bagay c'est le vinnement de monsieur a yo montant de 2 millions de goud automatiquement monsieur dil pap ka kembe bagay sa pou kont li et puis tout li pap gen comme ça, li te obligé mette madame ni au courant parce que messieurs dames yo di s'il pa bay comme là, yo a kidnapel. Eh bien, madame mexicain te prend disposition pour te plainte nan tribunal. Après trois invitations, yo te fait Wislen ak Michel, yo pa jam vini. Après en pile rondo mon nan téléphone tout, yo décidé al paquet. Mais peut-être manque de preuves, juge là pas tout mette la patte sou yo. Ça que monsieur regrette selon ça li déclaré en présence accusé aujourd'hui s'il te kembe yo Evelyne Saint-Cyr pas tap mouri nan moment ça Michel pral changer complètement dans salle là et puis la répliquer à gros ton à commissaire parce que d'après ça il dit yo pas konn bagay comme ça alors que c'est commissaire li songe visage yo bien parce que c'est lui même qui te traité dossier
En passant, c'est celle Wislen qui t'est marché avec avocat dans séance là. Bref, ça passé. Eval continue prendre défense demoiselle là dans quatre dossiers Evelyne Sincère. Demoiselle là tout dit li pas qu'on en rien dans dossier ça. Trois messieurs continue dit c'est dans droum yo te poté koa al jeté. DCPJ bon côté parle pas jeune aucune trace. Dossier Evelyne Sincère là femme dit nous, yo joine li dans téléphone Wislen. Mais ça pas empêché yo voye li nan prison civile femme nan akaye et puis trois messieurs yo al pénitencier en attendant yon juge instruction saisie des dossiers. A noter messieurs yo pa ko jam dénoncer pièce l'autre moun qui t'a impliqué dans zak si la malgré insistance juge yo ak kek agent DCPJ qui t'est dans séance là. Mesdames, mademoiselles et messieurs, cela nous mettait yon bout avec journal nous pour jodia. Merci parce que t'as suivi avec attention et encore une autre fois m'a dit toujours prends précaution pour sauver la vie ou la vie famille ou protéger moun ki nan communauté ou parce que d'ailleurs à piéger. Pas oublier avant quitter channel ça, abonner, like et puis quitter commenter pa ou là. Bonjour bonsoir tout moun, non pas m'se Foucault, n'ap croisé dans une autre vidéo. Bye bye.